Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bonne année 2021 à tous. Alors c'est pas ma première vidéo de 2021, c'est la deuxième, puisqu'il y a celle sur Tout le monde veut prendre sa place que j'ai upload le 2 janvier. Mais c'est la première vidéo que je tourne en 2021, alors bonne année 2021. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon nombre préféré, forcément, le nombre 17. Donc le nombre 17 c'est un nombre qui a vraiment une... C'est vraiment mon nombre fétiche, tu vois, c'est genre le 17, c'est mon nombre à moi. Donc, bah, pourquoi, forcément? Donc le 17, donc c'est ça que moi je suis né le 17 mars. Je suis né le 17 mars. Mon parrain est né un 17 mars. La fille de mon parrain est née le 17 mars. Le 17 mars qui est donc la Saint-Patrick. Et donc mon père s'appelle Patrick et... Il nous le rappelle en mode oh bah cela sans Patrick, allez encore! Ouais, bon, donc voilà. Pour ajouter encore en plus à la liste des coïncidences, donc ça, donc mon meilleur ami, il est du 19 janvier, comme mon frère, et sa petite sœur, elle est du 17 mars. Ouais, ça fait beaucoup. Et il y a aussi donc, mon cousin qui est du 17 juillet, donc on a exactement 8 mois d'écart, il est du 17 janvier 99 et moi du 17 mars 2000, du coup on a 8 mois d'écart. Et donc ça fait encore un 17. 17, c'est un nombre qui apparaît encore d'autres fois. Bah, c'est le nombre de Sardes, notamment. Le nombre de Sardoche, qui est un de mes streamers préférés. Donc pour ceux qui connaissent pas l'histoire concernant Sardoche et le nombre 17, pendant la Trackmania Cup organisée par Zerator, il y a un tour, je crois que c'est le troisième ou le quatrième tour. Pour se qualifier au tour suivant dans les phases de poule, il faut finir dans le top 16 de la poule, et Sardoche, 3 années de suite, a fait exactement 17e à ce moment-là, donc il s'est fait éliminer 3 fois à une place près. Du coup, t'as le nombre 17 qui lui colle à la peau. Le nombre 17, c'est également le premier numéro qui est invoqué dans Yu-Gi-Oh! Zexal. Peut-être, mais c'est toi que je vais mettre en morceaux! Vas-y, Shark, laisse le numéro s'installer. J'utilise mes deux monstres de niveau 3, Kraken et Grande Mâchoire. Je peux désormais ouvrir le réseau recouvrement. Ça y est, numéro 17, Dragon Léviathan, apparaît! Yu-Gi-Oh! Zexal, c'est un ennemi que j'aime beaucoup pour plein de raisons différentes. Les propriétés mathématiques du nombre 17 sont. Bon, on n'a pas énormément. Mais une que j'aime beaucoup, c'est que c'est le septième nombre premier. Donc c'est le septième nombre qui est divisible que par lui-même ou par 1. Et donc du coup, ça fait un 1 et un 7. C'est le septième nombre premier. Donc ça fait un 1 et un 7. Et ça, c'est. Voilà, je trouvais que c'était assez marrant à noter. Et vraiment, le nombre 17, c'est le nombre que j'utilise vraiment tout le temps. Tu me demandes de choisir un nombre entre 1 et 100, il y a 90% de chances que ce soit le numéro 17. Quand je joue en club, enfin, quand on joue en club pro sur FIFA, mon personnage, il a le numéro 17. Donc là, c'est. Ça me reste, hein, le numéro 17. Et quand j'étais petit, c'est le nombre que j'utilisais dans mes pseudos. Vous savez que dans les pseudos, on met toujours. Un nom plus un nombre, et bah moi c'était toujours le 17. Et donc j'ai eu mon bac à 17 ans. Ça c'est un truc encore en plus. 17 ans c'est également l'âge de la majorité dans Harry Potter. Chose importante à noter. Nombre 17 c'est aussi un nombre qui a d'autres propriétés assez intéressantes. C'est le nombre d'années de mariage des noces de rose. Donc si vous êtes marié depuis 17 ans, bah vous avez fêté vos noces de rose, ce que je trouve plutôt stylé. C'est également le numéro qu'on utilise pour appeler la police. Donc bon, si jamais vous êtes dans la merde, le 17 peut vous sauver la vie. Ça est bizarre de dire ça comme ça. Je viens de checker l'heure sur mon téléphone, il est 17h17. Ce nombre me suit partout. Ce nombre me suit partout. J'étais en train de regarder un truc, je check l'heure, hop, 17h17. Incroyable. C'était pas fait exprès, pas calculé, ni rien.
Vraiment, le 17, nombre à suivre. Le nombre qui me suit. Je suis lié au 17. Je suis le 17. Ouais, du coup, les amis, c'est la fin de cette vidéo assez courte. Peut-être pas forcément très divertissante, mais voilà, c'était mon petit kiff de la 17e. Je voulais faire une vidéo sur le nombre 17. Peut-être que j'aurais pu faire d'autres trucs. Enfin, peut-être j'aurais pu faire un truc un peu plus travaillé, un peu plus recherché, mais j'avais envie de me poser un peu, de faire un petit truc sympathique et parce que ça fait un moment que j'avais pas forcément mis de choses en ligne, soit en stream ou en vidéo. Donc j'espère que ça vous a quand même plu. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube et bien entendu follow ma chaîne Twitch, lien dans la description. Et je vous dis à bientôt.